Bonjour, 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 quelle belle semaine qui commence encore. Quel jour glorieux, quel jour béni. Oui, je crois que le bonheur et la grâce t'accompagneront partout encore cette saison au nom suprême de Jésus. Eh bien, c'est pour la liberté que Christ t'a affranchi. C'est pour t'accorder une vie heureuse, une vie comblée, que Jésus est mort à la croix pour ta vie. N'oublie jamais, Dieu t'aime tellement qu'il a envie que tu vives le meilleur, du meilleur du ciel sur la terre des hommes. C'est pourquoi je voudrais t'inviter, vraiment t'inviter à avoir foi en Dieu. Et ne pas penser, vraiment à tort, Jésus est venu te chercher uniquement pour t'amener au ciel et que le bonheur, tu l'expérimenteras simplement quand tu seras là-haut. Non, Dieu a dit lorsque tu prédis que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il est temps pour toi de vivre sur la terre comme au ciel à tous égards. Que ce soit au domaine de tes finances, dans ton mariage, ta vie personnelle, tes affaires, eh bien, dans tous les domaines de ta vie, sur la terre comme au ciel. Eh bien, je voudrais te dire que le Dieu qu'on sert est tellement puissant, tellement grand, tellement extraordinaire, tellement riche qu'au ciel, même sur le sol, il a décoré les rues du ciel avec de l'or. Ne pense pas qu'il soit un Dieu pauvre. C'est un Dieu riche qui est capable d'agir au travers de ta vie, bien au-delà de ce que tu imagines, au-delà de ce que tu penses. Eh bien, célèbre la vie. Ne réserve pas tes beaux avis simplement pour les jours de fête. Voilà, habille-toi très bien cette semaine. De lundi à dimanche, sois quelqu'un de bien vêtu et réjouis-toi en lui, car il est mort à la croix pour que tu sois heureux, pour que tu sois comblé. Que la paix de Dieu soit ton partage, que la paix de Dieu soit ta portion. N'abandonne pas ta vie entre les mains de ton pasteur ou de ton prophète. Non. Bien qu'il soit utile dans ta vie, il est indispensable que tu comprennes que tu dois prendre ta vie en main. Ta vie dépend de toi. Arrête de te plaindre. Il est temps pour toi de passer à l'action. Eh bien, tout en faisant confiance en Dieu. Que la grâce de Dieu t'accompagne, que la grâce de Dieu te localise, que la grâce de Dieu soit avec toi. Cette grâce qui te rend à même de faire des exploits que seuls les personnes qui sont connectées au puissant, au divin, sont capables d'accomplir sous le soleil. Demeure béni, demeure comblé, demeure arrosé, demeure favorisé. Ta vie va surprendre plus d'une personne. On est ensemble. On se dit à la semaine prochaine. Bye bye. Pour te servir, Raoul Wafo. Bye bye. Au revoir. Suivez le Révérend sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et YouTube.